ex omnibus calais eius. Omnes amiceius sperunt eam. Non est qui consoletur construit d'abord sur une pièce liminaire qui est vraiment extrêmement importante, qui est le motet sur la chute de Constantinople, écrit par Guillaume Dufay, qui donc ouvre ce disque. C'est la lamentation de tout l'Occident à cette chute de Constantinople, qui était donc le dernier empire romain d'Orient, hein, qui passe donc aux mains des musulmans, ce qui est un drame évidemment pour tout l'Occident chrétien. Et ensuite le dialogue s'opère, nous on leur joue nos musiques de cour, ou ils nous jouent leur musique de cour. Et puis à un certain moment, ils nous passent de la musique qu'on va jouer avec nos instruments et nous, on va leur passer de la musique qu'ils vont jouer avec leurs instruments. Donc l'échange s'opère peu à peu après un certain temps de faire connaissance quand même. Nous, c'est vraiment de la musique donc ancienne, savante, en effet, musique de cour. Et eux, ils font de la musique ottomane, c'est-à-dire de la musique savante de la cour ottomane. Le dialogue s'opère entre ça. Il y a vraiment une distinction entre la musique ottomane et la musique turque. Et la musique turque est une musique très populaire, très intéressante aussi. Mais là, on est vraiment dans la musique qui se faisait dans la cour du sultan. Ce sont deux musiques savantes. Et c'est l'idée que ces communautés, la communauté musulmane après la prise de Constantinople en 1453 et la communauté chrétienne qui est restée à Constantinople parce que les musulmans ont eu la grande intelligence de ne pas décimer ces communautés génoises, françaises, vénitiennes, etc. Ces deux communautés peuvent dialoguer à travers la musique. Et alors ils essaient leurs instruments, ils voient ce qu'ils peuvent faire ensemble.
malgré les différences énormes qui existent entre nos musiques, car il y a vraiment des différences entre les musiques occidentales et turques qui sont quasiment insurmontables. C'est d'avoir visiblement des instruments de cours qui étaient joués sans idée de projection, mais qui étaient des instruments assez intimes par rapport à des instruments occidentaux, entre autres de plein air comme les bombardes qui ont tendance à projeter beaucoup. Donc effectivement, l'un des enjeux de l'enregistrement, c'est de marier ces deux univers, l'un qui est plus intime, plus musique de cours avec des musiques pour sonner fort. Formidable de le faire à Istanbul, ne serait-ce que. Déjà, les enregistrements sont régulièrement interrompus par l'appel à la prière du muezzin, c'est tout à fait extraordinaire, ça nous rappelle où nous sommes. Et puis, oui, c'est vrai, ça nous inspire, bien sûr, parce qu'on est environné de cette ville qui est une ville totalement mythique, bien sûr. Thank you.
Pour les sociétés traditionnelles, pour les musiques traditionnelles, il y a plus de possibilités d'échange. Donc d'une part, ça c'est pour moi c'est intéressant, et puis le fait que si on cherche à souligner ce fait que une musique qui n'est pas forcément folklorique, elle a plus de possibilités d'accès et d'échange avec d'autres cultures. La Turquie, mais ce que je ne connaissais pas, c'est la richesse du répertoire de la musique ottomane, qui est une grande musique de cour. Là, il y a vraiment un grand répertoire, avec une musique magnifique, une musique majestueuse. On est vraiment, ben, je ne sais pas, ça correspond à nos grandes œuvres, à nous qu'on peut connaître en musique ancienne, au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle. C'est une musique qui a été faite pour la cour du sultan. Donc c'est une musique extrêmement raffinée, faite par des gens qui étaient de grands musiciens. Donc c'est une musique raffinée, je pense que c'est le bon mot, et en même temps incroyablement expressive.